Yo tout le monde, du coup j'espère que vous allez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur les nouveaux défis de cette saison 4 de ce chapitre 2 de Fin avec les gars. Et aujourd'hui je vais vous aider tout simplement à faire les deux défis qui sont détruire des collecteurs, donc 20 collecteurs pour gagner 25 000 XP, et infliger des dégâts avec le reste des collecteurs, donc 10 000 de dégâts. Et vous pouvez être aidé tout simplement par 4 joueurs, donc 4 amis ou 4 personnes random tout simplement trouvées dans des games. Donc du coup les gars, je vais vous montrer comment les trouver le plus rapidement et facilement possible. Ok, du coup les gars, on se retrouve directement en game pour faire ces deux défis. On nous demande tout simplement de détruire des collecteurs, donc 20 collecteurs, et infliger des dégâts avec le reste d'un collecteur. Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'un collecteur? Ce sont tout simplement les petits drones créés par les gloutons de Galactus qui sont apparus depuis cette saison 4, voilà tout simplement. Alors sachez que les gloutons spawnent aléatoirement sur la map. D'ailleurs je vous affiche à l'écran tous les spawns possibles où ils peuvent apparaître. Je le rappelle, leur spawn est aléatoire, donc ils peuvent être à un endroit ou à un autre. Par exemple ils peuvent être à Holy Edge, ils peuvent être à Salty, ils peuvent être à Slurpee, etc. Donc vérifiez bien ces lieux. Sinon il y a une autre astuce tout simplement pour trouver les gloutons de Galactus, c'est tout simplement d'attendre la première zone, parce que les gloutons de Galactus ne spawnent qu'à la à partir de la première zone. Donc vous attendez depuis le ciel tout simplement que la première zone apparaisse, et ensuite on verra un petit vaisseau lumineux rouge et tout simplement il faudra s'y diriger. C'est qu'un glouton à spawn, voilà tout simplement. Donc là du coup les gars, c'est très simple, on est dans le ciel, la première zone comme on peut le voir elle est apparue, et là vous tournez un petit peu votre caméra à gauche, à droite, vous tournez autour de la map, là on regarde, et dès qu'on voit là, voilà par exemple on voit un petit vaisseau lumineux rouge comme ici, et bien ça veut dire que le glouton il est tout simplement à la station de radio qui est tout au bout de la map. Vous y allez et vous êtes sûr de trouver tout simplement un glouton, et autour de ce glouton tout simplement on a des petits collecteurs qui y spawn, voilà, donc c'est le glouton qui les crée. Ok du coup les gars, on est arrivé près d'un glouton qui était indiqué avec le petit faisceau rouge comme je vous ai dit, et là on peut voir tout simplement que le glouton est ici, et le collecteur ce sont tout simplement les petits drones qui sont créés par le glouton. Donc dès que vous en tuez un, en fait ça vous valide tout simplement le défi petit à petit. Donc vous en tuez 20 et ça vous valide tout simplement le défi. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est tout simplement de laisser le glouton en vie, de ne pas le tuer. Comme ça vous pouvez tout simplement tuer autant de collecteurs que vous voulez, parce que tant que le glouton n'est pas mort, il fait spawn tout simplement des collecteurs à l'infini. Donc ça vous permet de faire vos 20 collecteurs à détruire facilement, et ensuite tout simplement on nous demande de faire des dégâts avec les collecteurs. Donc pour faire des dégâts avec les collecteurs les gars, vous tuez le collecteur, il spawn à terre. Ensuite attention, quand il est à terre, vous avez 10 secondes pour le ramasser, sinon il explose et il vous fait des dégâts. Et tout simplement, une fois que vous l'avez dans les mains, eh bien vous faites tout simplement des dégâts, que ce soit au collecteur en face ou tout simplement au glouton comme vous le souhaitez. Du coup les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Le seul petit conseil que je peux vous donner si vous voulez trouver les gloutons facilement et les collecteurs, c'est tout simplement de bien regarder tout simplement les faisceaux de lumière dans le ciel. Si vous avez un faisceau de lumière rouge qui spawn, que vous voyez, foncez dessus, c'est que vous avez tout simplement un glouton qui fait spawn des collecteurs pour faire votre défi. Sur ce les gars, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, à plus et à la prochaine.